La valeur ajoutée du podcast a souvent été mentionnée par les étudiants par rapport au flux RSS, étant donné que les étudiants reçoivent de manière régulière, donc chaque semaine, ils reçoivent un module de grammaire divisé en quatre capsules, donc des séquences courtes. Ils ont évidemment plus la motivation de travailler régulièrement, puisqu'ils n'ont pas toute la matière, comme c'est le cas dans le livre, hein. On ne découpe pas chapitre par chapitre. Ils reçoivent la matière chaque semaine, et donc chaque semaine, ils peuvent réviser de manière, un module, et puis, s'ils le veulent, revenir au premier module qu'ils avaient reçu quelques semaines auparavant.